Alors, j'ai eu le plaisir d'animer un atelier que j'avais intitulé « Jeux dans un monde de crise », avec l'idée de faire travailler et réfléchir les participants sur les effets que peuvent produire sur eux-mêmes les événements de crise, les moments de tension qui peuvent se produire dans notre société, la façon dont chacun d'eux est amené à vivre ces événements. On a travaillé de façon très concrète, très opérationnelle, en utilisant le principe de la ligne du temps. Et puis un travail de groupe a permis de faire émerger un certain nombre de caractéristiques quant à la façon dont chacun vit ces événements. Et surtout, la réflexion nous a très vite mené dans l'atelier autour de comment chacun mobilise au fait les ressources et les capacités qui sont les siennes pour faire face aux situations parfois difficiles qu'ils rencontrent. Bonjour, je suis Dina Scherer. J'ai eu la chance d'animer pour Convergence un atelier aujourd'hui, donc autour de avoir 20 ans en 2021, comment les jeunes ont réagi à la crise. Alors, moi je suis praticienne narrative, donc mon axe de travail c'est vraiment comment les gens résistent à leur situation. Donc je vais vraiment honorer leur résistance, mais les résistances, comment ils ne subissent pas, quoi, comment ils agissent, ce qu'ils ont mis en place, etc. Donc voilà, on va honorer les forces, honorer les projets, etc. Donc voilà, comment on ressource un peu les personnes. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est le moment où on transforme sa vie en cadeau pour les autres, en fait. Voilà, donc j'ai l'impression vraiment d'être utile et d'aider à avancer, notamment les jeunes, puisque c'est ma cible. Donc Marie Reberol, je suis conseillère de dirigeants depuis 25 ans environ. Alors aujourd'hui, j'ai fait un atelier sur décider en temps de pandémie parce que en tant que coach durant cette pandémie, j'ai vu à quel point la question de la décision revenait, à savoir est-ce que on peut décider, est-ce que compte tenu des contraintes imposées, etc., il est quand même possible de prendre des décisions, est-ce qu'il y a des changements vraiment importants dans la prise de décision. Donc c'est le thème qu'on a travaillé en atelier aujourd'hui. C'était génial, on était 22 participants, donc 23 au total. Bonjour, eh bien, donc je suis Émilie Devienne, je viens aux rencontres de Convergence, c'est la troisième fois que j'y participe en tant qu'intervenante et c'est toujours avec un bonheur renouvelé. Cette fois-ci, c'était autour de l'écriture et la crise, donc s'écrire en temps de crise, mais écrire la crise également, et que ce soit, c'était mon parti pris, notre crise intérieure, une des nombreuses crises que dans une vie on va être amené à traverser, ou est-ce une crise comme celle de la Covid que nous venons de traverser, ou tant d'autres qui, dans nos vies, ont pu déjà nous affecter. Et je pratique depuis plus de 15 ans, donc comment ne pas recommander le coaching à des personnes dès lors que l'on a envie de se poser des questions pour partir d'un état réel vers un état désiré et qu'on se dit, bon, comment je vais faire pour aller du point A au point B? J'ai besoin d'être accompagné. Notre métier, le coaching, est un métier de l'accompagnement. Alors, ce que j'ai envie de partager, c'est vraiment un grand merci à Philippe Bigot de m'avoir sollicité pour intervenir aujourd'hui sur la thématique de l'engagement. Donc, pour moi, c'était une magnifique expérience, voilà, de proposer cet atelier dans le cadre des 18e rencontres. Et je ne peux que recommander à ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui de prendre rendez-vous avec eux-mêmes pour être là l'année prochaine, et moi je m'y engage aussi. La grosse barque, hein. Donc l'idée de la traversée, d'est en ouest, d'ouest en est, l'idée du bateau en mouvement, c'est quelque chose de très fort, très la pêche. Aller pêcher ce poisson, alors vous voyez d'ailleurs au point parfait, c'est Sigourney River, il y a tout le monde. Mais vous voyez que le monstre, il est très proche d'elle. Qu'ils ont des choses à se dire. Et qu'elle a des choses à entendre. Même si elle ne le veut pas. J'ai assisté ce matin à l'atelier de Claire Delepeau et en effet, c'est vraiment quelque chose qui m'a inspirée. Je repars avec l'importance des valeurs dans la vie et des émotions, comme je l'ai dit tout à l'heure en fin d'atelier. Alors moi je suis Christelle, je suis coach à Montpellier et ce matin donc, j'ai assisté à l'atelier de Claire Delepeau.
Je suis venue dans cet atelier parce que le thème m'inspirait, s'engager dans l'incertitude. C'était vraiment très enrichissant, beaucoup d'échanges. Et voilà. Sophie Pitoun, consultante formateur pour Convergence. J'ai bien aimé l'atelier de Marie-Reine Agou. Je recommande effectivement cet atelier qui était très enrichissant avec toutes les références qu'elle a données au niveau culturel. Et voilà, je trouve que la journée s'est très très bien déroulée et j'ai vraiment pris du plaisir à y participer. Voilà. Bonjour, je m'appelle Christelle Louvet, donc je suis coach professionnelle certifié COS chez Convergence en 2017. L'atelier du coup de Dina aujourd'hui était répond à toutes les attentes. Et cette journée, ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes, d'autres coachs et de se retrouver dans une ambiance de bonne humeur et de bien-être.